Madame la Présidente, les présidents, etc. And you, all my friends. À chaque fois, je me demande, qu'est-ce que vous allez dire de nouveau? Et à chaque fois, je suis admiratif devant le discours de Madame Rajavi. Madame Rajavi nous a dressé le portrait d'une région, d'un monde et d'un pays. Elle a été admirable de précision et je dirais que grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce au nombre que vous représentez, nous avons enfin entendu concernant l'Iran, bien sûr, d'abord l'Iran, mais le Moyen-Orient et toutes les agitations et toutes les guerres et tous les crimes et tout ce qui se poursuit de bestial dans cette région, nous avons entendu un souffle d'espoir et nous avons compris que rien ne vous arrêterait dans votre marche vers la démocratie contre ce qu'elle a appelé elle-même, et je partage entièrement ce sentiment, le fascisme religieux. Merci, Madame Rajavi, d'avoir eu ces mots courageux. Alors je me demande pourquoi, et je réponds après avoir entendu le premier discours, que toutes les valeurs dont a parlé Michel Alliot-Marty ici, d'abord le rôle des femmes qui dans cette région du monde est souvent réduit à peu de choses, le rôle des femmes en Iran, le rôle de toutes ces femmes qui sont ici et qui représentent la vie, l'énergie, le futur. D'abord ce rôle, il faut saluer le combat de Madame Rajavi à travers ce mouvement des femmes. Et puis, l'analyse est différente un petit peu, suivant les uns et les autres, mais elle a dit des mots très forts en ce qui concerne ce qui sera peut-être signé à propos d'un accord, peut-être signé à propos d'un accord sur le nucléaire. Elle a dit que le combat ne s'arrêtera pas en signant ce traité, s'il est signé. Mais il est possible que les gens à travers le monde préfèrent une signature de paix plutôt qu'un mouvement nouveau de guerre. Et donc, précisant que votre lutte pour la démocratie ne s'arrêterait pas, même si ce pied-à-pied était signé après ce qui a été signé à Genève, elle a tracé pour vous, les moudjahidines du peuple, pour vous, ceux qui se sacrifient, qui ont combattu si longtemps, qui depuis près de 50 ans vous battez pour la démocratie, pour la séparation de la mosquée et de l'État, elle a tracé une voie que nous, en France, nous devons suivre. Nous, en France, nous devons soutenir ce combat et comptez sur moi pour le faire une fois de plus avec vous. Un dernier mot. Oui, il y a des fascismes religieux, il y en a un dans votre pays, mais il y a aussi à côté d'autres fascismes religieux qui sont à l'œuvre et qui s'appellent l'État islamique. Et de cela, il faut tenir compte aussi, et j'étais très heureux aussi d'entendre Madame Rajavi dire que tout ça se ressemble et que seulement la démocratie et le pouvoir donné aux électeurs et peut-être on peut le dire au peuple que vous représentez, seul celui-là sera capable de ramener dans cette région du monde, le Moyen-Orient, la paix nécessaire, impatiemment attendue et pour laquelle nous sommes prêts, tous les uns et les autres, à soutenir tous les mouvements que vous représentez. Merci.